Ok? Amen. Lorsque Jacob a apporté les habits d'Ésaü, ces habits-là ne représentaient plus Ésaü sur le plan physique ou sur le plan formel. Pourquoi? Parce que la prophétie dit, le plus grand sera assujetti au plus petit. Qui est le plus grand? Le plus grand, c'est Ésaü. Alléluia. Et la prophétie dit, le plus grand sera assujetti au plus petit. Amen. Donc, dans cette dimension prophétique, Jacob avait l'accès dans le trône de la grâce. Et cela avait permis que la voix de Jacob soit entendue prophétiquement par Isaac. Oh, c'est très fort ça. Amen. Amen. Cela avait permis que la voix de Jacob soit entendue prophétiquement devant Isaac. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu la justice. Il avait reçu les habits de l'héritage. Il avait reçu la protection divine. Alléluia. Écoutez, lorsque nous prions, voilà pourquoi Christ a dit, voilà comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Amen. Lorsque nous prions Dieu, Dieu nous attend, pas comme des pécheurs, mais il nous attend comme ses enfants. Sauvé, sanctifié, purifié. Alléluia. Amen. Maintenant écoutez. Écoutez. Jacob était l'enfant de qui? Isaac. Moi, je ne peux pas oublier la voix de Darby. Je ne peux pas oublier la voix et Harrison. Je ne peux pas oublier la voix de mes enfants. Même si ils essayent de changer leur voix, mais je ne comprendrai que non, ça c'est la voix de Darby, ça c'est la voix de Liel. Je comprenais directement. Maintenant, écoutez, ici, Isaac n'a pas identifié la voix de Jacob. Amen. Amen. Pourquoi? C'est par la justice de Dieu, par la protection divine, par l'onction de Dieu qui était sur Jacob, parce que Jacob était candidat à l'héritage de Dieu et à la bénédiction de Dieu. Vous et moi, nous sommes candidats au royaume. Vous et moi, nous sommes candidats à l'éternité. Vous et moi, nous sommes candidats à la grâce de Dieu. Vous et moi, nous sommes candidats à la bénédiction de l'Éternel. Comme nous sommes candidats à la bénédiction de l'Éternel, lorsque nous approchons le trône de Dieu, Dieu écoute nos voix, non par rapport à notre état ancien, mais Dieu écoute nos voix par rapport à la transformation qu'on a dû recevoir de Jésus-Christ. Et voilà pourquoi, lorsque nous prions, Dieu, il nous écoute, étant comme ses enfants. Dieu, il nous écoute comme les héritiers destinés à la bénédiction de l'Éternel. C'est pour cela que la Bible déclare, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu qui nous écoute. Dieu ne reste pas sourd à nos prières. Même si ta prière a fait 10 ans, 5 ans, tu ne reçois pas de réponse, Dieu n'est pas sourd à tes prières. Alléluia. Dieu n'est pas aveugle. Dieu n'est pas muet. Il est là pour nous écouter. Il est sensible. Pourquoi? Parce que nous sommes ses enfants. Maintenant écoutez. Peu importe la qualité de la voix de Jacob, tant qu'il a été couvert par les vêtements, il était justifié. Amen. Peu importe
la voix de Jacob. Comme il a été couvert par le vêtement, il a été justifié. Écoutez ce qui s'est passé. Jacob n'avait plus peur d'approcher Isaac. Amen. Avant, Jacob, il avait peur, n'est-ce pas? Il disait, si mon père arrive à découvrir ça, il va me maudire. Mais lorsqu'il a reçu les habits de justice, la protection divine, l'onction de Dieu, la peur a quitté Jacob. Jacob a pris de l'assurance. Il a pris de la nourriture que sa mère avait préparée. Et il amène ça avec chez son père Isaac. Il a pris de l'assurance. Bien-aimés, à cause de la justice que Dieu nous a donnée, nous devons approcher Dieu avec assurance. Nous ne pouvons pas avoir peur. Alléluia. Même si hier tu avais tombé, relève-toi. Fais comme l'enfant prodigue. Allez devant ton père, demande-lui pardon, il va t'accueillir. Alléluia. Il va t'accueillir. Il va te sanctifier. Il va te purifier. Parce qu'il t'a créé pour que tu sois, pour que vous soyez le candidat à l'héritage que Dieu a prédestiné pour toi. Jacob n'avait pas peur, n'avait plus peur d'approcher son père. Alléluia. Amen. Sache-le bien. Vous et moi, nous étions été créés pour dominer et gouverner par l'autorité de Dieu. Amen. Amen. Mais il y a eu le péché qui nous avait séparés. Mais lorsque Jésus, il fallait que Jésus vienne pour nous revêtir des habits de justice et d'héritage. Amen. Amen. Et quand Jésus nous a sauvés, Jésus nous a sauvés et il nous a donné le vêtement de justice et de l'héritage. Avec ces nouveaux habits, notre vie a atteint un niveau supérieur dans la dimension spirituelle. Par ce vêtement de justice, nous approchons Dieu et Dieu s'approche de nous. Amen. Par ce vêtement de justice, Dieu, nous approchons Dieu et Dieu s'approche de nous. Non par notre voie physique, mais par la voie de la justice et par la voie spirituelle. Jacob, il avait la peur d'aller vers son père pour apporter de la nourriture qui devait changer sa destinée. Amen. Amen. Mais lorsqu'il a reçu ses habits, il a eu de l'assurance. Dieu peut intervenir dans votre vie si vous venez dans sa présence avec foi. Amen. Amen. Dieu peut intervenir dans votre vie si vous venez dans sa présence avec foi. Donc on voit ici, Jacob est allé il est allé chez son père avec foi. Il n'avait plus peur parce qu'il avait reçu les habits de justice. Nous devons approcher Dieu avec foi. Quand tu viens dans la présence de Dieu, viens avec foi. Ne viens pas avec des doutes. Parce que quelqu'un qui doute ne peut jamais recevoir l'héritage auprès de Dieu. Le doute t'empêche de recevoir de Dieu l'héritage qu'il a prévu pour toi. Lorsque tu parles avec Dieu, parle-lui comme une personne sauvée, sanctifiée. Amen. Écoutez, Jacob avait considéré son père Isaac non comme une personne qui maudit, mais comme une père qui bénit. Est-ce que c'est très important? Alléluia. Jacob avait considéré son père Isaac non comme une personne, non comme un père qui maudit, mais comme un père qui bénit. Tu dois considérer ton Dieu non comme un Dieu qui maudit, mais tu dois considérer ton Dieu comme un Dieu qui bénit. Pourquoi? Parce que nous avons Dieu comme un père. Nous avons Dieu comme notre Père. Romains chapitre 8, verset 15. Romains chapitre 8, verset 15. Je vais lire la parole du Seigneur. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption
par lesquels nous crions Abba Père. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Alléluia. Amen. Donc, lorsque Jacob a été couvert par les habits, par sa mère, Jacob avait reçu la dimension puissante de Dieu. L'Esprit de Dieu était reposé sur lui. Et Jacob n'avait pas laissé un esprit de servitude pour être encore dans la crainte de dire que ah, si mon père arrive à découvrir sa cérémonie. Non, tout ça avait quitté l'esprit ou le cœur de Jacob. Amen. Amen. Jacob a été adopté par Dieu comme le premier-né. Et Jacob avait l'assurance d'appeler son père. Alléluia. Isaac. Maintenant, écoutez, je vais expliquer le mot Abba. Le mot Abba. Le mot Abba, c'est un terme araméen qui signifie père. Amen. Le mot Abba, c'est un terme araméen qui signifie père. Abba, c'est une marque de respect envers un père. Donc, en Israël, lorsqu'on appelle quelqu'un Abba, c'est un respect. C'est un respect. C'est une marque de respect, pardon, envers un père. Amen. Lorsqu'on appelle quelqu'un Abba, donc, cette personne-là qui appelle un père Abba, il exprime également l'affection ou la confiance comme un enfant envers son père. Amen. Donc il exprime également l'affection et la confiance d'un enfant dans sa relation envers son père. Maintenant, dans la tradition juive, on n'autorisait pas aux esclaves de se servir de ce nom devant un père de famille. Donc quand tu es un esclave à l'époque en Israël, donc tu n'avais pas droit de se servir de ce nom Abba. Pourquoi? Parce que tu es un esclave. Amen. Amen. Je m'excuse parce que je ne suis pas arrivé. Donc lorsque tu es l'esclave, tu ne peux pas servir de ce nom. Tu ne peux pas appeler un père de famille Abba. Pourquoi? Parce que tu es esclave. Romains chapitre 9, verset 4. Je vais lire. Qui sont donc Israélites? Romains chapitre 9, verset 4. Qui sont donc Israélites? À qui appartient l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte et le promesse? Maintenant, écoutez-moi très bien. Les enfants d'Israël devant Dieu n'étaient pas considérés comme des esclaves à cause de l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham. Dieu avait adopté les enfants d'Israël comme ses enfants. Suis-moi très bien ici. Amen. Maintenant, qui sont donc Israël, à qui appartient l'adoption? Amen. Donc, les enfants d'Israël étaient adoptés. La gloire, les alliances, la loi, les cultes, les promesses, leur permet d'appeler Dieu Abba Père. Vous comprenez? Ils avaient reçu la gloire, les alliances, la loi, le culte et les promesses. Donc ils avaient droit d'appeler Dieu Abba Père. Maintenant, nous, le péché nous avait séparés de Dieu le Père. Nous étions devenus des esclaves. Et dans cet état d'esclavagisme, nous avions dit de l'interdiction d'appeler Dieu Abba, d'appeler Dieu notre Père. Alléluia. Parce que
la loi du péché nous avait séparés de Dieu le Père. Et le péché nous avait rendus esclaves. Suis-moi très bien. Maintenant, étant esclaves par le péché, nous n'avions plus la connaissance de Dieu le Père. Car le péché nous interdisait de crier « Abba Père ». Mais par le sacrifice de Jésus, par l'amour de Jésus et la résurrection de Jésus, nous avons reçu la liberté, la délivrance, le salut. Et Jésus nous avait donné une nouvelle vie. Et nous étions été justifiés par la grâce. Et par cette dimension, nous sommes vus devant Dieu et acceptés par Dieu comme ses propres enfants. Amen. Alléluia. Donc, par l'œuvre de la croix, par le sacrifice de la croix, nous sommes sauvés. Et nous sommes vus devant Dieu comme ses propres enfants. Dieu est devenu notre Père. Et nous sommes devenus ses enfants. Alléluia. Une relation intime a été tissée entre nous et Dieu. Donc, étant donc justifiés au moyen de la rédemption par Jésus-Christ, nous avons reçu l'esprit d'adoption par qui nous devions crier « Abba Père ». Alléluia. Donc, vous et moi, nous avions reçu le salut. Et cette salut nous a donné le droit d'appeler Dieu notre Père. Parce que tu es devenu enfant de Dieu, je suis devenu enfant de Dieu, et Dieu est devenu ton Père. Maintenant, quand tu parles avec Dieu comme ton Père. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Dieu est devenu ton Père. Galates chapitre 3, verset 29. Si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Maintenant, écoutez très bien. Si vous êtes en Christ, si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Oh oh. Si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Donc, si vous n'êtes pas en Christ, vous n'êtes pas la postérité d'Abraham. Mais si vous êtes en Christ, vous êtes la postérité d'Abraham. Or, on vient de lire ici. Dieu a donné à Israël la gloire, les alliances, le culte de promesses. Maintenant, et comme vous et moi, nous sommes en Christ, tous ces avantages-là spirituels est pour nous, parce que tout ce que Dieu avait promis à Abraham, nous l'avions reçu à travers Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc, de la manière dont Dieu considère Jacob comme Israël, de la même manière que Dieu te considère comme Israël. Nous sommes les enfants d'Abraham. L'impact de la bénédiction qui était Abraham, cet impact-là, cette influence-là, il est aussi dans notre vie. Vous et moi, nous sommes devenus les héritiers selon la promesse. Et voilà pourquoi Rebecca devait faire les choses ainsi, afin que la bénédiction de l'Éternel tombe sur Jacob, afin que cette bénédiction-là touche Israël et puisse toucher aussi les gens qui doivent accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, entrer à cette bénédiction. Ça ne vous dépasse pas, Amen. Amen. Je ne sais pas ce qu'on comprend. Alléluia. Maintenant, Jacob était un homme libre, délivré de toutes les lois de succession humaine.
Amen. Lorsque Jacob a reçu la protection divine, l'onction de Dieu, Jacob était délivré de toute leur succession humaine. Parce que selon, selon la loi de la succession humaine, c'était Esaü qui devait prendre place, qui devait être héritier, n'est-ce pas? Mais lorsqu'il a reçu la justice de Dieu, la protection divine, par sa mère Rebecca, Jacob, il a été délivré de toutes les autres successions humaines. Bien-aimé, écoutez-moi. Ta vie ne dépend pas selon les lois de succession humaine. Mais ta vie dépend de la promesse de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es héritier selon les promesses de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Si ton père, ta mère n'a pas l'héritage à te léguer, mais Dieu a un héritage pour te donner. Amen. Oh oh. Sans, tu dois marcher comme un héritier. Tu dois marcher comme un prince. Jacob a été délivré de toutes ces choses. Il était, en autre terme, revêtu d'habit de l'adoption, car prophétiquement il était approuvé comme celui qui dominera. Bien, écoutez-moi. Dieu nous a sauvés pour dominer. Pourquoi? Parce que nous sommes des héritiers. Amen. Galates chapitre 4, verset 7. Je vais aller vite. Galates chapitre 4, verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Amen. Tu n'es plus esclave, mais fils. Tu es fils. Tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Oh oh. Je vous avais dit, un esclave a donné l'interdiction d'appeler Abba. Amen. Mais là, la Bible déclare, tu n'es plus esclave. Un esclave, c'est quelqu'un qui est privé de la liberté.